Alors c'est assez rare, là. Et 2h du matin, il a fallu que je me déroule de 30-40 degrés. Car depuis une heure, le cargo n'a pas changé sa route. Je suis sous voile, on est en plein océan. Et je me disais, bon, il va changer sa route. C'est assez rare, en général, ils changent leur route. Et pas du tout, ils nous passaient au plus près à 20 mètres. Et il a fallu que je prenne 40 degrés, mais à aucun moment il a bougé. À aucun moment. Et on passe vraiment très très proche, quoi. Le mec il a dû s'endormir, c'est pas possible. 65 000 à faire, grain sur grain ce matin. À 65 000 jusqu'au Brésil. Alors on verra pas la terre de sitôt. Hein. Regardez comment c'est chargé. Alors un coup il y a du vent, un coup il n'y a pas de vent. Super Magic Clair Colgate a encore frappé. Et oui, le Choupi il a relancé sa canne. Et qu'est-ce qu'il a au bout? Qu'est-ce qu'il a, Choupi? Je sais pas, c'est gros. C'est très gros, c'est très très gros. Va-t'en le voir sauter. Ah, c'est peut-être un temps qui plonge, non? Non, j'ai vu l'aileron. Ah, c'est peut-être un espadon. Va-t-il casser le Super Lair Magic? Ah non. Non, pas celui-là. Voilà, avec le Super Lair de Choupi. Le Super Lair Magic. Regardez, le Colgate. Yeah, avec le Colgate. Oh, ça arrête pas, allez. On a à manger. On a à manger. 20 repas. 20 repas encore. 20 repas avec un espadon. Allez, alors là on va mettre au frigo. C'est le troisième qu'on croise depuis ce matin. Et alors ils nous foncent dessus à chaque fois eux aussi. Hein. Ça nous passe juste derrière, juste devant quoi. Je me demande s'ils sont pas trop curieux quoi. J'ai l'impression que légèrement à droite du bateau, on commence à distinguer la terre. J'ai l'impression de... Alors les plus très loin, on est à 25 000 du Brésil. Ouais, ça va. Voilà, après 23 jours de mer à peu près. Nous arrivons au Brésil. On voit les premières silhouettes de tour du Brésil. Alors, je me répète, mais on ne sait pas du tout comment ça va se passer pour nous parce que le Brésil est fermé. Hein. Il est fermé, mais a priori, on est autorisé à rester 2-3 jours pour ravitaillement. C'est ce qu'on va prétexter. On avait tout ce qu'il fallait à bord de Black Lion. Merde, j'ai dit. Il faut qu'on s'arrête pour un ravitaillement parce qu'on n'a plus d'eau, on n'a plus rien à bouffer. Sinon, j'ai bouffé la chapouille. Bilan. Pour rencontre. Qu'on rencontre quasiment tout le temps. Tout le temps. Depuis l'Afrique du Sud, depuis l'Afrique. Ouais. Qu'on rencontre. Et là c'est la première fois, je crois que c'est jamais été aussi calme. On est à 8 nœuds. T'as vu? On est à 8 nœuds, je crois qu'on est sorti du courant. Après 23 jours, il était temps. Petit navire. Ensuite, c'était long. On a trouvé long cette traversée. Pourtant on était occupés. Ouais, le Pacifique, on a fait 28 jours. En fait, j'ai pas trouvé ça long, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est parce qu'en fait, il y avait moins à voir et à faire en fait. Ouais, on va dire qu'il est un peu monotone quoi, parce que hormis qu'on ait vu les orques, c'était génial, mais c'est vraiment le grand truc. Aucun poisson là, depuis que j'ai mis leur magique. Ah, bing, ça y est, voilà, c'est bon. Ça c'est fait. L'eau était magnifique. Ça, on va pas dire que c'était confortable. Black Lion est confortable, mais on peut pas dire que là, si ça avait été comme ça, ça aurait été top. Là c'est royal. Oui, là on est à 8 nœuds, attends, on glisse. Là, c'est vraiment super agréable. On glisse sur l'eau. C'est voilà, ça l'a fait. Et on n'a eu aucune casse, hormis le petit ponté, c'est pas grand chose. Faut que je répare cette direction là, une fois pour toutes, là, parce que ça va me causer un problème un jour, ça va casser, on va être vraiment dans la merde, dans la tourmente. Quand il faut pas réparer, faut que je modifie le jeu là. Ouais. Je pense que je vais mettre des tiges en téflon avec les coups qui passent à travers. J'ai réfléchi parce que. Voilà. Quoi d'autre? L'hydrogénérateur, génial. Il aura. Ça, c'est bien. Franchement, ça, c'est bien. Notre dessal, qu'on a pillé une blinde, il fait 20 litres à l'heure. Heureusement qu'on l'avait quand même. Ouais. Heureusement qu'on l'avait quand même, au lieu de 60. Ça, c'est pareil, on va se modifier parce que ça fait chier, parce que ça fait cher le loup. Hein. Et là on voit les pêcheurs. Ouais, là il y en a un. Ouais, alors on fait très gaffe parce que. Ah ouais, là-bas. Ouais. Là, on passe juste à côté. Et là on va peut-être passer dans des zones Ah oui, une, deux. Il y a deux pêcheurs là. Des zones de filet. Donc le Brésil, on se souvient, il y a des pêcheurs, ça, vous savez, j'aime pas ça. Hein, parce que. Autant je respecte leur métier et tout. Mais putain, en pleine nuit, quand vous prenez un filet de pêche dans les drives ou dans les safrans, bah, vous êtes content.
Chose étrange, pendant toute la traversée, quasiment tous les soirs, on a vu un tout petit oiseau. Mais impossible à filmer, tout petit, minuscule. Tout petit, on tous sait les soirs quasiment. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'était le même qui nous suivait, ou si c'était un nouveau à chaque fois, mais voilà. Voilà, les voiles, on a jonglé beaucoup le soir. Voilà, j'ai beaucoup réduit, j'ai perdu beaucoup en vitesse parce que voilà, nous c'est la sécurité avant tout, on n'est pas en régate. Et ben, je suis content, il y a quand même vachement bien avancé quoi, avec deux riz et le phoque la nuit en général. C'est super. Là, les deux dernières nuits c'était sous grain, ça c'est chiant, ça, je ne supporte pas ça. Et là cette fois-ci, comme on était vraiment juste en iridium, on a été déconnecté total des informations du monde. Donc ça fait 24 jours ouais. Qu'on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Alors ça le fait. Vous voyez l'iridium, il y en a qui disent que c'est cher. Nous on n'a jamais trouvé que c'était cher pour le service que ça rend. Mais là on n'avait pas trouvé sous pour prendre, fallait mettre quoi, presque 900 euros ouais, là, pour un an. Mais après le long de la côte on aura internet donc on va pas utiliser l'iridium pendant un bout de temps. Et donc c'est la première fois qu'on fait ça, on a pris 75 unités pour la traversée. Bah écoutez, bah, ça l'a fait, une nouvelle 10 unités, moi j'ai pris la météo. Du coup, on s'est pas arrêté à Sainte-Hélène parce qu'on n'avait pas beaucoup de unités. Bah, on l'avait pris pour le mois aussi, hein, puis on l'avait déjà pris Sainte-Hélène. Voilà. Et en fait ça le fait pour le transocéanique. Mais il y a quand même un souci, hein, parce qu'il y a un mois, 3 mois, 600 euros. Ça veut rien dire leur truc quoi. C'est un mois et 3 mois ou 6 un mois, mois non, un mois, 6 mois ouais. Et un an. Je sais pas, c'est. Non, c'est dommage. Et ouais, il manquerait un forfait 3 mois, je pense que c'était pas mal. Bien. 3 mois à 300 euros, 100 euros le mois, ça serait logique. Quoi. Et voilà. Et voilà. Donc ben, on va filmer notre arrivée. On va être juste pour l'arrivée de nuit. Mais là, c'est hyper confort. Putain, on a pas vu ça depuis la traversée. On est même à 8 nœuds. On est à 8 nœuds. On a vu, on sent pas. Peut-être avant la nuit alors. Ouais, c'est limite. Alors on va filmer ça. Et il m'a fait croire tout à l'heure qu'il restait 50 000 à faire. Et c'était même pas vrai. Est-ce que je peux être con alors? Allez, bisous, banane. Eh, un dernier rhum quand même, hein, en navigation. Hein. Ce soir j'en prends un aussi. Hein. Ouais, mais avant d'arriver. Ouais. Et on en prend un à l'arrivée. Et puis on en prend un au petit déjeuner. Ouais, par contre, il n'y a plus de citron. Ouais. Bah oui. Mais ça a tenu le rhum. Hein. Le niveau est quand même aussi. Il a bien baissé, mais oh, c'est confortable. Ouais, c'est bien. J'ai oublié de vous dire aussi, les quarts de nuit sur Black Lion, on a failli que dormir pendant 23 jours. Ouais, non, il y a les nuits où je savais qu'il fallait surveiller. J'étais en éveil, mais. Et puis c'est marrant parce qu'on se complète vraiment parce que quand je savais qu'il dormait profondément, j'arrivais pas à dormir. Ouais, c'est arrivé deux fois. Ah, mais t'es mauvais, c'est pas possible. Ouais. Tiens. Là, mais par contre, là, la remontée va faire ouais, l'écart. Parce que là, on voit les bateaux de pêche et là, on va devoir refaire l'écart. Ça, ça va être dur. Ça y est, on arrive. Là, c'est Cabedelo. On va arriver aux deux premières bouées de l'entrée de la rivière. Là, on est sur le point d'entrée dans la rivière. Et Choupi vient de se rendre compte qu'on n'a plus de sondeur. Il ne fonctionne plus, il ne reconnaît plus. Il ne trouve plus la sonde. On va faire confiance aux cartes. Bon, déjà, il y a un chenal, donc on va prendre le chenal. Ah, on en est avec le sondeur. Le sondeur vient de refonctionner, juste à l'entrée du chenal. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, il restait 24 jours à pas comprendre, à calculer les sondes dans les abysses. Là. Ah merde, là, ça marche plus. Ah merde. Normalement, je suis dans des fonds de 20 mètres et il me met qu'il n'y a pas de profondeur. Il marchait quand j'ai quitté la Namibie, là, je sais pas ce qui se passe. Thank you.
Jacare Marina. Ici Black Lion. Voilà, ça y est, on est au Brésil. Merci mon capitaine. Vas-y. Bon, normalement on y est pour 2-3 jours. Alors on est arrivé sous la pluie, de nuit, évidemment, c'est trop facile. Hein. Dans la rivière, bah, heureusement ouais. Les cartes sont bonnes parce que. Et ça y est, il refonctionne le sondeur. Allez, on va trinquer avec vous là parce que là. On est là pour 2-3 jours, hein. C'est parfois du combattant continu. Merci mon capitaine, c'est trop fort. On est en Amérique du Sud. C'est bizarre les bananes. Après 23 jours de mer, hey, un calme. Ouais, c'est vrai, Jacouille, c'est de définir un bruit avec le bruit de la mer sur l'océan. Parce qu'on dit que le monde du silence, et quand on navigue, il y a un bruit, un bruit constant de vagues, de ressacs. Un bruissement qui doit y avoir. Un mer ruissant. Voilà. Un mer ruissant. Merci. Et du coup, c'était super calme. Et là, cette nuit, il a plu. Mais alors, je veux dire, des tonnes d'eau. Ça fait des mois qu'on n'a pas eu des tonnes d'eau comme ça. Black Lion est plein. On est plein de lâches à la laver. Donc, il est rincé. En une nuit, il est rincé. Après, il y a une traversée. Il est propre. Et là, du coup, on va faire la lessive. On va tout nettoyer. Je vais faire la lessive et on va tout nettoyer. Et après, je vous montre comment c'est dehors. Là, on va déjeuner. La marina est là-bas. Là, on est dans la rivière. Bon, ça a encore changé. C'est pire qu'avant. Les bananas, c'est une catastrophe. Allez comprendre quelque chose. Donc là, je viens d'avoir un des responsables, puisque l'autre vient de mourir du Covid. Il vient de mourir du Covid, ça fait 3 semaines. Là. Et il dit, dans l'état de Paris-Bas, c'est une catastrophe, c'est une hécatombe. Mais par contre, les avions sont autorisés à atterrir avec les touristes sans quarantaine. Et c'est toujours fermé pour les bateaux. Donc là, ils ont essayé de faire des procédures pour faire changer les choses, mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Et ils ne comprennent pas, ça ne veut rien dire. Quoi. Donc on avait le droit, une personne, ce qui était stupide hein, aussi, une personne avait le droit de descendre de et l'autre de rester à bord, ce qui est. Et là, plus personne n'a le droit de descendre du tout. Donc, ce qui est plus logique quand même, ce qui est quand même plus logique. Donc on fait notre liste. Ils vont aller faire des courses pour nous. Ouais, ils vont faire nos courses. Et puis on va pas tarder, ça ne sert à rien. Et ben on va pas trop traîner ici. Hein. On va prendre une carte SIM et puis. Par contre, on m'a dit la carte SIM, on pourra capter, il ne faut pas être éloigné de plus de 15 000. On prend combien de gigas? Alors, c'est pas giga, il m'a dit. Il m'a dit je vais me charger au mieux, mais c'est pas des gigas, c'est à charger au fur et à mesure. Bienvenue au Brésil. Pas de pluie pendant des mois. Vous allez voir l'efficacité du récupérateur d'eau, regardez. Ah ben là, je suis plein. Voilà, ça c'est l'eau qu'on récupère avec notre récupérateur. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on en profite, c'est que l'eau est gratuite. Bon, bienvenue chez les Romano. Hein. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Parce que le problème, c'est qu'on fait la lessive, mais il pleut donc ça sèche pas. C'est ça. Là, on vient de se faire livrer l'avitaillement, alors ça va être la surprise, voir s'il y a bien tout ce qu'on voulait. Et puis, Choupi est en train de ranger, on s'est fait livrer l'essence et le gasoil. Surprise! J'ai cru que c'est la première fois que tu fais des courses comme ça, par quoi ça commence? Là, c'est la première fois, on a fait du takeaway. Oh, du chocolat! Du chocolat! C'est rigolo, du coup! Ah, ils ont été efficaces, hein, par contre. Hein. Voilà. Elle est contente. Là j'ai un coup, elle est contente. On peut repartir. Bah, du coup, on peut presque repartir demain. Et ben, ils ont été efficaces. Hein. Bah ouais. Et voilà.
Bon bah c'est bien, on est content, mais on peut pas descendre et on est content de s'être arrêté parce que ça fait long. Ça fait long. Jusqu'en Guyane, ça fait 4000 milles, ça fait une traversée du Pacifique. Ça nous fait du bien de nous arrêter. Ça fait du bien de stopper. On s'est reposé. Toi, tu as vu toute la. Le capitaine, il est vraiment fort. Il a fait toute la lessive et il est arrivé à le faire sécher le linge. Entre avec deux averses. Je sais pas comment il a fait. Bon, on va aller voir ce que fait Choupi. Hein. Il est en train d'essayer de trouver une solution encore pour la direction. Vraiment, Choupi. Ouais. Tu cherches une solution encore pour la direction ? Ouais, je sais pas si j'ai marché. Je peux faire tourner si t'as pris la puissance. Ouais. Coucou ! Eh oh ! Youhou ! Ben là, de ce côté ! T'es dans la boîte, mon coco ! Voilà, nous sommes dans le chenal de sortie de Jacaré, les bananes. C'est reparti après 3 jours d'appro. C'était un peu le parcours du combattant. Bah là, on se retrouve dans la houle de face. Il n'y en a pas pour longtemps. On est en train de prendre la direction Guyane. On va peut-être faire un petit stop ou deux là, sur le Brésil en UGD. Vous dites à personne. Hein. Oh merde, je dis. Et voilà. La jacouille, elle déprime un peu. Elle n'est pas bien. Ouais. Alors oui, c'est pas qu'elle a envie de pleurer, c'est qu'elle pleure depuis ce matin. Elle n'est pas très bien, les enfants lui mentent. C'est un peu une drôle de navigation ici, quoi. On traverse l'océan on aura 4-3 jours, donc on part direction Guyane. C'est comme ça, c'est un drôle de voyage. Donc c'est pas le vent qui nous pousse, c'est le Covid. Donc on y va. Donc je vais changer quelques degrés parce que sinon on va sortir du chenal et on va s'échauffer, ça serait un peu con. Hop. Alors ici c'est inversé les bruits. Hein. Là c'est la bouée verte. Sur l'Amérique de l'Est tout est inversé. Normalement quand vous sortez d'un port, le sens conventionnel, vous avez la bouée rouge sur votre droite. Là, ici c'est la bouée verte. Depuis que nous sommes partis ce matin, deuxième bateau de pêche que nous croisons. Ça va être chaud, la nuit va être chaude, fini les bonnes nuits. Alors je suis en train de m'écarter de la côte et je vais aller dans les zones de 1000 mètres. Pourquoi? Parce qu'il y a des pêcheurs. Et dans les zones de 1000 mètres, là-bas, il y a les cargos. Donc les cargos, ils ramassent tous les filets et nous on passe derrière. Donc s'ils passent dans la zone des 1000 mètres, c'est qu'il ne doit pas y avoir de pêcheurs là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, ça promet, c'est un bateau de pêche. Là, ça bouge de droite à gauche. Hein. Encore un bateau de pêche. Oh, fini les quarts de nuit. On dort toute la nuit. J'essaie de voir après ils peuvent pêcher. J'ai pas l'impression qu'ils ont des fuites. Hein. J'ai vu une bouée, hop la voilà. Alors est-ce que lui il est accroché à la bouée? Donc ça nous donne quand même une indication. S'il est accroché à la bouée qui est sur son devant, bah nous il faut qu'on passe derrière eux. Quoi. On s'éloigne et on passe sur leur bâbord cette nuit. Ça veut dire que le vent, quoi, c'est surtout courant, j'ai l'impression, parce que le vent est de travers. Le vent est de travers, donc le courant le pousse un peu plus nord. Voilà, je vous montre, j'ai deux AIS qui viennent d'apparaître, vous voyez. Moi je suis là, ici, et voilà, ça c'est les cargos, et là une ligne de sonde à 1000 mètres, et ils sont tous à peu près ici. Donc
Je me sens plus en sécurité en fait avec les cargos, avec la IS, parce qu'ils nous voient, et nous on peut les voir aussi, que les pêcheurs. Parce que les pêcheurs sont difficiles à voir et le radar il a un peu de mal à les détecter, ils sont vraiment au ras de l'eau. Quoi. Donc on va faire un petit détour de 30 000 mais c'est la prudence. Avec, après un démarrage de vitesse 2, 3 nœuds, sous spit sol, on a remonté la gérée de travers. Avec Spinnaker, un riz, 11 nœuds devant, de travers, on est à 8 nœuds. Putain, c'est royal. Par contre, je vais bien surveiller aujourd'hui parce qu'ils annoncent pas mal de pluie et les grains se forment quand même d'avant-arrière. Donc on va faire gaffe. Et ça devrait bien avancer quand même jusqu'en Guyane parce qu'on va avoir le vent plus au travers. C'est pas une allure des plus confortables, mais c'est une allure assez rapide. J'adore cette allure. 10 nœuds devant, avance à 6 nœuds, j'ai un riz dans la GV. On avait passé au Jenaker parce que il y avait un beau grain derrière qui s'est formé au-dessus de nous. Bon, il n'y a rien eu, ça fait deux fois qu'il nous faut les poils du cul de Blackie. Et là, mer super calme et tout, on est à 6 nœuds, j'adore naviguer dans ces conditions là. On pourrait faire un tour du monde comme ça, ça serait génial quoi. 10 nœuds devant, et puis j'ai encore un riz. Voilà, ouais, je suis fainéant, j'ai envie de reprendre là. La nuit dans 3 heures. On sera à 7 nœuds je pense. Et normalement c'est souverain, on avait vu qu'il y avait de la pluie mais on y échappe. Regardez là-bas encore là, c'est en train de se former. Là. Hein, nous avons parlementé un petit temps avec la jacouille. Pour savoir où est-ce qu'on dormait ce soir. Si on dormait là, si on dormait dedans et tout. On dormait ici ou si on dormait ici. Et voilà. Comme vous voyez, ça sera ici. Là. On sera plus tranquille. Ouais. Mais normalement on va pas dormir. Hein. Il y a des quarts de nuit à faire. Hein. Première casse de Blackie. Mais pourquoi il a fait ça mon fils? Jacouille a pris trop de fruits, trop de citrons pour le rhum. Bah, comment ça se fait? Ça a cassé. Comment ça se fait? Regardez ça. C'est devenu assez rare un avion. On se fait souvent la remarque avec la jacouille. Parce que avant on en voyait beaucoup quoi. Avant Covid dans le ciel. Et maintenant quand on voit un avion. C'est un événement. Ouais, c'est un événement l'avion. Regardez comment on traque. Vent de travers. Alors ce soir, le foyer va se coucher sur notre bâbord. Sur toute la remontée. Ah non, quand on aura passé le nord, on aura un peu plus de face. On est à 9 nœuds. 9 nœuds, il y a 13-14 nœuds devant de travers. La mer est calme. C'est un plaisir. C'est du bonheur. C'est du bonheur en barre. On va devoir ranger le Genek qui commence un peu à remuer. Et Blacky fonce dans les vagues à toute allure. Donc on va mettre le foc, on sera je pense à 6-7 nœuds au premier avec le foc. Youhou, youhou. Ouais, Genek est rangé, on a perdu 2 nœuds et demi, 3 nœuds. On est à 6 nœuds. Putain, on traçait à 9 nœuds mais je sais pas pour la nuit parce que il suffit que. Non mais t'as qu'à prendre le TGV, tu vas le vivre. Donc voilà, sinon c'est bien, hein, ça nous fait du 140 000. Il y avait aussi 11-12 nœuds devant là maintenant. Faut parler fort parce que là il y a du vent. C'est le putain qui se la charité. Hein. Donc nuit à grain ou pas nuit à grain? Les grives annoncent de la pluie. Ça a l'air de se couvrir. Donc be careful cette nuit, be careful. On est un peu inquiet, il y a nos copains là qui sont en route eux directement sur les Antilles, on n'a pas de message. Ils n'ont pas écrit. Ouais, le dernier message qu'on a eu d'eux, c'était qu'ils avaient passé une nuit souverain, c'était un peu l'horreur. Et nous, l'abonnement Iridium, ça va être donc demain le 14 avril. Et j'ai envoyé un message ce matin, pas de réponse, et du coup j'en ai renvoyé un parce que des fois ça marche pas super bien. Et pas de réponse. J'espère que. Je sais pas, ça serait le 14, alors je sais pas. On va envoyer un message. Voilà. Et donc derrière, coucher de soleil, derrière les grains. C'est pas violent les grains, hein. 15 nœuds. Tout à l'heure, on est passé, quand on était sous spi ce matin, on est passé de 8 nœuds devant à 15 nœuds. Donc ouais, ça fait très bizarre en fait. C'est très, je me souviens que j'avais lu un jour, je crois que c'est dans Jimmy Cornell, qui disait qu'il y avait un pourcentage par rapport déjà à la force du vent. J'étais pas trop d'accord avec ça, parce qu'il y a certains endroits,
sais plus c'est quoi le pourcentage, mais s'il y avait 15 nœuds, il disait du genre c'est 20 ou 30% de du vent. Et on l'a dit, ça, dans l'Indien, ça ne se vérifie pas. Et ouais, c'est pas une règle que je valide, moi personnellement. Voilà. Putain, je deviens un peu. Merde, Jimmy, on a pris un coup dans la gueule. Oh, dans la gueule, Jimmy. Voilà. Bon, ben, bon apéro. Et à demain. On ne sait pas encore où on va. Hein. Je vous réveille en fait. C'est pour vous dire qu'on a le courant pour nous. Ah. C'est pour ça que tout se passe bien. Ah, t'es content. On avance, on avance. On avance, on avance. On avance, on a le courant pour nous. Il n'y a que 11-12 nœuds devant. On est à 6-7 nœuds, on est sous foc. Et un riz dans la GV. On va pouvoir tranquillement se faire un petit jeu. Là, le combo là. Ah, on a trouvé une nouvelle musique parce qu'on fait, on fait un jeu. On joue au bagamon. Ocho et Ono, les trois. Et donc on va faire des combos. Alors on sait comment je veux. Vas-y. Attends. Non, non, donc, super combo. Super combo. Super combo. Super combo. C'est Choupi qui a trouvé. Regardez, c'est un. Oh là là. C'est un remix des chiens. Toute seule. Un petit con.